Où est-ce que j'ai mis l'autre téléphone? Je sais pas. Ok. Alright, le son il est bon les gars, ça faisait tellement longtemps. Est-ce que le son il est bon? Je te rappelle frère, donne-moi quelques minutes, je vais te relancer. La situation a été décantée. Avait une petite urgence, mais bon, Dieu merci que ça a été décanté. Alright, à tout à l'heure. Ok, salut les amis, salut tout le monde, comment allez-vous? Comment ça se passe? Le son, il est bon? On va commencer par le son. Si le son est correct, alors on peut comme ça démarrer. Sinon, salut, 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 bienvenue à tout le monde. Bienvenue chez vous, bienvenue chez Mistopha TV, comme toujours. Une fois que vous êtes là, rassurez-vous de liker, de partager le lien de la vidéo et de nous laisser votre préoccupation en commentaire. Et si vous n'avez pas activé la cloche de notification, daignez le faire également, comme ça vous allez être alerté chaque fois que nous passerons en direct ou chaque fois que nous allons poster un nouveau contenu sur votre chaîne. Alors, comme vous le savez, nous traitons de tout ce qui a trait à l'immigration aux États-Unis, les visas, les études, le travail, bref, la vie aux États-Unis. Si vous avez besoin d'informations sur comment vous y prendre pour entamer les démarches de regroupement familial, des visites aux États-Unis, le travail, et que sais-je encore. Donc, ici, c'est la meilleure adresse pour vous. Et nous traitons généralement des sujets que vous avez. Ok, nous ne partons pas qu'avec ce que nous avons, mais très généralement, nous venons ici et nous collectons ce que vous avez comme préoccupation et nous prenons le temps de pouvoir les éclairer en détail autant qu'on le peut. Donc, une fois que vous êtes là, mettez-vous confortablement, likez cette vidéo, partagez-la. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Donc, dans l'entretemps, mettez-nous vos préoccupations en commentaire. Et puis voilà, le son est bon. D'accord, ça, c'est super. Alors aujourd'hui, voilà, ça faisait un petit bout de temps depuis que on s'était plus pointé. Et puis voilà, mais dans l'entretemps, il y a eu des choses qui se sont passées, partant de la publication des données de la développerie qui vous donne justement des informations sur l'ordre que vous occupez, sur la file d'attente, combien de gens il y a avant vous, combien de gens il y a après vous par rapport à votre case number, ça a été publié depuis le 1er janvier. Voilà, on n'a pas parlé de ça. Et puis, de toutes les façons, vous êtes informés, n'est-ce pas? Alors, nous allons aujourd'hui parler de la possibilité d'avoir du visa sans interview pour cette année nouvelle 2024. Donc, c'était sur base d'un certain nombre de données que le service d'immigration des États-Unis et les départements d'État et de sécurité qui ont comme ça collecté un certain nombre d'informations sur base desquelles ils ont eu à faire une projection sur quelque chose qui pourra être mise d'application au cours de cette année nouvelle. Donnez-moi une petite minute, je vais juste me rassurer que tout est au point. Comme je le disais tantôt, cette annonce marque un tournant majeur dans le processus d'obtention des visas de courte durée pour les États-Unis en cette année 2024. Un instant. Voilà. Voilà. Comme vous le savez déjà, donc alors que les entretiens d'interview visaient tout simplement à évaluer la qualité de bénéficiaire de visa pour les États-Unis, alors dorénavant, par rapport à l'expérience qu'on a eu observée depuis l'année 2015 jusqu'à ces jours, l'année 2023 a été une année référence, dans ce sens qu'on a eu accordé pratiquement 10 millions et 400 000 visas de courte durée. Ici, je parle de visas visiteurs, je parle de visas pour les études et tout autre type de visa non immigrant. On a eu accordé un grand pic de visas à hauteur de 10 millions 400 000 visas l'année passée et sur base des informations qu'ils ont eu à collecter, les données d'informatique qu'ils ont eu à collecter, et ils se sont finalement décidés de mettre sur pied une opportunité parce qu'ils se sont rendus compte que depuis un moment, il y avait beaucoup de temps d'attente entre
lorsque vous allez manifester l'intérêt de venir aux États-Unis et la possibilité pour vous que de pouvoir trouver une date de disponible dans un bref délai. Il s'est fait qu'il y a ceux qui sont là à attendre leur interview pour pratiquement 2 ans, 1 année et demie, c'est vraiment trop. Et sur base d'informations qu'ils ont eu à collecter, ils se sont décidés, c'est même publié sur les sites web de département de l'État, qu'ils vont donner la possibilité à tous les pays du monde de manière à pouvoir standardiser les délais d'attente pour les visas non immigrants. Okay? Ça veut dire on va accorder jusqu'à 90 jours. Si tu fais ta demande aujourd'hui, disons c'est le 19, je crois. Aujourd'hui c'est le 18, voilà. Tu dois compter pratiquement 90 jours pour trouver une date d'interview pour venir en visite aux États-Unis ou que sais-je encore. Donc, dans les prochains 90 jours, tu auras la possibilité comme ça de pouvoir booker ton rendez-vous d'interview pour les États-Unis. Mais seulement, cela ne va pas s'appliquer à tout le monde. Il y a bien entendu quelques petites conditions spécifiques. Entre autres, ceux qui en seront bénéficiaires, c'est essentiellement ceux qui ont été aux États-Unis auparavant, c'est-à-dire ceux à qui on a déjà eu à accorder les visas pour venir en visite aux États-Unis et ils sont rentrés, eh bien, voilà, ils sont rentrés chez eux sans pouvoir avoir causé quelconque tort aux États-Unis et dans les délais conventionnels. À ces gens-là, on va accorder exemption d'interview des visas. Si tu as eu par le passé à faire un tour aux États-Unis pour 3 semaines, 1 mois, 2 mois, jusqu'à 6 mois, et que tu veux faire une demande ultérieure pour venir aux États-Unis, à ces gens-là, on va commencer avec eux, c'est à ces gens-là qu'on va devoir accorder exemption. Mais seulement aussi, ça va dépendre en très grande partie de l'appréciation de l'officier consulaire. Okay? La personne qui aura la charge de revoir ton dossier, c'est elle qui va devoir justement décider si tu dois te présenter pour l'interview ou pas. Je ne sais pas comment ça va être fait. Si tu vas devoir, après avoir soumis ta demande, si tu vas aller en ligne pour comme ça vérifier s'il y a des disponibilités dans leur calendrier ou comment ça va se passer, je ne sais pas. Mais du reste, ils ont quand même promis de faire quelque chose de comme ça. C'est quand même une très bonne chose parce on observe un très grand nombre de personnes qui sont en attente et ça empêche aussi même d'autres personnes par rapport à d'autres catégories de visas, entre autres ceux qui veulent venir aux États-Unis pour y résider, par la développerie, les regroupements familiaux, etc. Ça crée quand même de l'encombrement dans le calendrier, dans la capacité à l'ambassade à pouvoir accueillir les demandeurs. Alors, si on peut faire quelque chose de comme ça, vu qu'ils l'ont déjà annoncé, c'est que dans les prochains jours, c'est quelque chose qui sera justement mis en application. Mais ce qui est vrai, dans d'autres pays, ça se fait déjà. Dans certains pays, ça se fait déjà. Mais ils sont en train de travailler de sorte à pouvoir étendre cette mesure afin de bénéficier à tout le pays du monde où il y a une ambassade, bien sûr, des États-Unis. OK? Considérant que cette évolution va simplifier considérablement le processus pour de nombreux voyageurs, OK? Qui va réduire comme ça le délai d'attente et tous les tracas administratifs associés à la demande de visa visiteur, n'est-ce pas? Cela va également ouvrir la voie une expérience de voyage plus fluide pour ceux qui n'ont pas encore eu à les faire par le passé. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça là. Je crois. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Quelque chose de comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Seulement les premiers bénéficiaires, le tout premier bénéficiaire, c'est ceux qui ont déjà eu à être aux États-Unis par le passé. C'est une très bonne nouvelle, oui. Mais après, il faut juste compter sur ta bonne conduite lors de ta précédente visite aux États-Unis. Donc, c'est un peu ça. Parce que j'ai reçu aussi quelques petites questions de gens qui me disaient, mais ça prend beaucoup de temps et tout ça. Ils sont en train de travailler là-dessus. Je ne sais pas si j'aurai la possibilité de partager mon écran ici pour vous montrer justement la dite annonce. Mais bon, bref. On doit noter juste que dans l'ensemble, cette annonce marque plutôt un progrès considérable dans la simplification des procédures d'obtention des visas pour les États-Unis. Okay? Tout en mettant un niveau tout à fait élevé, bien sûr, de sécurité et de contrôle aux frontières. Hein? Parce que quand tu arrives à la frontière,
Ils ont la possibilité de vérifier si tu as déjà été ici aux États-Unis par le passé ou non. De toute façon, ils ont toutes ces données-là. C'est sur base de toutes ces données qu'ils sont arrivés justement à pouvoir décider de ce qui pourra être fait dorénavant. Parce que généralement, l'entretien d'interview, c'est les moments où l'officier consulaire a la chance de pouvoir, au-delà du fait que le demandeur a soumis ses informations, et lui aussi a donné son point de vue sur ta manière d'être, en fait. Tu peux avoir donné des informations qui ne sont pas vraies. Et c'est pourquoi on exige l'interview, parce que quand tu te présentes à l'officier consulaire, on peut déceler parfois quand est-ce que tu es en train de dire des faussetés, de raconter des faussetés, tu es en train de mentir, de par ton langage corporel, ta manière à t'exprimer devant l'officier consulaire, ta manière à agir et à, voilà, à interagir avec l'officier consulaire. Tout ça là, c'est très déterminant. Mais bon, pour ceux qui ont déjà été aux États-Unis par le passé, dans les cadres de visite, etc., ils vont comme ça recevoir carte blanche lors de leur prochaine demande pour venir aux États-Unis. C'est un point positif, dans ce sens que on va réduire considérablement, comme je l'ai dit tantôt. Donc, il y a eu 10 millions 400 000 quelques visas d'accordés dans le cadre de visas non immigrants, donc ceux qui viennent en visite, aux études, etc. Mais supposons maintenant que on divisait ces chiffres-là par 10 ou même par 20 pour dire que ceux-là ne vont plus se présenter à l'interview et ils vont justement obtenir leur visa au cas où ils auraient besoin de partir aux États-Unis au mois à venir. Donc, ça va considérablement diminuer l'effectif, le nombre de personnes qui passent leur temps à aller chercher à prendre rendez-vous, ce qui fait que ça retarde le traitement des différents dossiers en cours d'études et même pour ceux qui n'ont jamais été aux États-Unis, qui aimeraient trouver une date. Du coup, ceux qui ont déjà été par le passé ont déjà eu à occuper toutes ces places qu'il y avait dans le prochain jour, les prochains mois, et finalement, toi, tu arrives, tu n'as jamais été aux États-Unis. Du coup, tu te retrouves en face d'un grand nombre de personnes qui attendent également leur interview, et du coup, tu es repoussé, renvoyé vers peut-être les 12 ou 15, même 16 mois de la date de ta demande, donc pour trouver une date d'interview. Donc, ça va être quelque chose de vraiment intéressant. Ça va beaucoup alléger hein, le processus de traitement des demandes, etc. Alors, dans l'entretemps, si vous avez vos questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas comme ça de me les laisser en commentaire. Et dans l'entretemps, je vais prendre quelques questions parce que, vous savez, on ne s'est pas pointé depuis pratiquement 2 mois, près de 2 mois. Alors, on a reçu énormément de questions. Je vais essayer un peu de voir si je serai en mesure d'en prendre quelques-unes. Comme ça, on pourra les passer en revue et on va se séparer. Je prends juste 6 à 7 questions. Et si vous avez vos questions aussi dans l'entretemps, laissez-les-moi en commentaire, mais rassurez-vous de liker d'abord avant de laisser la question. Et moi, je vais rapidement rechercher les questions que nous avons eues enregistrées. Ensuite, on va revenir ici pour répondre à vos préoccupations, vous qui êtes là en direct. Partagez le lien, s'il vous plaît, les amis. Partagez, partagez, partagez. Attendez, je dois chercher Mr. Fad. Mr. Fad TV. Alright, ego. Partagez le lien, partagez le lien. La communauté, elle est là. Alright, je dois voir. Voilà. Ok. Je prends la toute première préoccupation de mon frère Conan, Christian, qui dit: Salut, Mr. Fad. Merci pour cette lucarne que vous nous donnez de mieux. De nous exprimer. Je vous souhaite bonne et heureuse année à vous. Comprenez, hein, il y a de cela, je sais pas, un mois ou quelque chose ou deux, depuis que j'avais fait cette annonce. Donc, il y a de ceux qui me souhaitaient encore la bonne année. Surtout que ça, là, c'est notre toute première vidéo de l'année 2024. Donc, voilà. Je souhaite avoir les informations sur les affaires, les salons de conférences, les salons, les conférences. Je suis sans. Je crois qu'il voulait aller dans l'entrepreneuriat agricole. Comment il peut arriver aux États-Unis? Ben, écoute, frère, comment tu peux arriver aux États-Unis? La voie est libre, la voie est vraiment amplement dégagée pour toute personne qui a l'intention de partir aux États-Unis en visite ou que sais-je encore, parce qu'on encourage justement les gens à venir aux États-Unis. Et puis voilà, comme vous le savez, c'est un coin multiculturel qui réunit énormément, énormément de personnes des différents coins du monde.
Ce qui compte le plus, c'est justement ta capacité à prouver que tu as des points d'attache solides dans ton pays, ce qui pourra te permettre, après avoir obtenu ton visa, après avoir passé ton séjour aux États-Unis, de regagner ton pays d'origine. Donc, tu ne vas pas aux États-Unis pour y rester illégalement, etc. Parce que quand tu restes illégalement, tu constitues un problème du point de vue de la sécurité. Vous voyez? Alors, du coup, si tu vas être en mesure, tu vas être en mesure de prouver que tu as de quoi qui te retient au pays, de quoi qui va te pousser après ton délai de séjour, de regagner ton pays, alors tu as beaucoup plus de chances comme ça d'avoir ton visa. Donc déjà que tu es dans l'entrepreneuriat, ça veut dire que tu as ton propre business, ce qui est super. Il te suffirait justement de prouver que voilà, il s'agit de business réel et vrai et que tu vas partir aux États-Unis après ton délai de séjour. Tu vas comme ça regagner ton pays. Donc il n'y a rien de magique à faire pour avoir les visas. Tout le monde a la même chance que tout le monde. Il suffit justement de très bien présenter son dossier. En dehors de la présentation de son dossier, on te donne aussi la chance de te présenter en face de l'officier consulaire. Alors, à toi de bien performer afin de convaincre à l'officier consulaire que ce que tu as raconté sur papier est réellement vrai dans ta vie de chaque jour. Voilà. Je suis chez Aïdzo. Salam, hein, qui dit salut Mr. Fad, bonne heureuse année 2024. S'il vous plaît, quel est le nombre total des sélectionnés en Afrique pour la Développerie 2024? Et selon vous, avec un case number de 80 000, c'est un grand case number ou moyen? Alors, déjà, je n'ai pas vérifié les informations, les données de ce EAC. Je crois, les amis ici, ils ont quand même fait ça, ils pourront répondre en commentaire. Et puis, tu peux aller faire cette recherche-là toi-même aussi sur Google, c'est possible. Je n'ai pas eu à consulter ces informations-là. Malheureusement, je n'ai pas fait ça. Et pendant que tu posais cette question-là, les informations n'étaient pas encore disponibles. Mais maintenant, là, ça l'est. Ça l'est, c'est déjà disponible. Voilà. Je suis chez qui? Nard, qui dit « Salut, Mr. Fad. C'est votre frère, Nard, depuis les États-Unis. Je voudrais un peu que vous nous parlez des taxes aux États-Unis. Apparemment, le moment des taxes approche et la question comment faire ces taxes et à quelle période pour soumettre et comment faire pour bien faire ces taxes et se retrouver un tout petit peu. Merci. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, un instant s'il vous plaît. Un instant s'il vous plaît. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, aux États-Unis, nous avons un système de déclaration d'impôts, ce qui fait que pendant toute l'année, je parle ici l'année fiscale, tu as eu à contribuer, tu as eu à payer des trucs, on t'a chargé l'impôt, et pendant que tu travailles, on a perçu aussi quelque chose sur ton salaire, etc. En début de chaque année, le département de la fiscalité des États-Unis, qu'on appelle ici les IRS, va vous envoyer un document qui va vous permettre d'aller déclarer officiellement vos impôts. Il y a des agents de comptables qui sont là, partout là, qui ont des business dans ce sens-là, ils aident des personnes à pouvoir justement faire la déclaration de leurs impôts et on vous accorde une rétrocession de ce que vous avez eu à contribuer au cours de l'année. Alors, pour ce faire, on considère certaines charges. Si vous avez un business ou par exemple, disons, vous êtes étudiant, mais vous travaillez au même moment, et que pour vos études, dans le cadre de vos études, vous vous êtes doté d'un ordinateur, d'une imprimante, de quelques livres, etc. Alors, on peut prendre ce qui a été les dépenses, ce que vous avez sorti de votre propre poche pour acheter ces biens-là, matériel didactique, etc. On peut réintégrer ça dans ce que vous allez percevoir comme rétrocession, c'est-à-dire il y aura une quote-part, ok, de l'impôt que vous avez eu à payer au cours de l'année, qui vous sera retournée, ok. Alors pour ce faire, on considère certaines charges, comme je le disais tantôt, qui seront réintégrées. Et si vous avez des enfants, on accorde aussi un crédit fiscal par tête d'enfant, etc. Alors vous avez la possibilité de le faire de vous-même. Quand je parle de le faire de vous-même, c'est pas genre c'est vous qui avez
la connaissance, vous savez qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez réintégrer, qu'est-ce que vous allez déduire, etc. Non, il y a des plateformes en ligne comme TurboTax, par exemple. Sur TurboTax, tu peux déclarer tes impôts de toi-même. En dehors de ça, il y a aussi d'autres personnes autour de toi qui le font. Généralement, dans nos communautés, il y a des gens qui font la préparation d'impôts pour les membres de la communauté, justement. Et il se fait que ces gens-là, ils font de petites manœuvres pour essayer un peu d'augmenter ce que vous allez percevoir en retour de votre contribution au cours d'une année fiscale. Donc voilà, je crois, je ne sais pas dans quel état tu es. Si tu te renseignes dans ton état, sûrement tu vas trouver des gens qui les font. Personnellement, je ne le fais pas. Probablement, je peux commencer à le faire l'année prochaine. Mais pour l'instant, je ne le fais pas. Donc, tu peux te renseigner auprès des membres de ta communauté dans l'état où tu te retrouves, si tu veux que tu puisses le faire par quelqu'un que tu connais, quelqu'un de ta communauté, quelqu'un que tu peux consulter physiquement. Mais en dehors de ça, il y a aussi des bureaux, des préparations. Ici, je parle par exemple de HR Block. C'est un des bureaux de grande renommée ici aux États-Unis. Ça se retrouve un peu partout aux États-Unis. Tu peux également aller voir ces gens-là, ils pourront t'aider à faire. Mais seulement quand tu vas à ces gens-là, ils sont très, 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 je veux dire, bon, ils sont structurés, ça c'est vrai, mais du reste aussi, ils restent très, très carrés, ils sont stricts. Voilà, dans ce sens qu'il y a des petites intégrations qui peuvent te faire gagner quelques dollars de plus, ils ne vont pas réintégrer ça. Pourquoi? Parce que justement, j'estime qu'ils ont beaucoup de clients qui seraient en attente de ces services-là. Alors, s'ils doivent passer tout le temps que sur un seul dossier, ils auront du retard pour poursuivre avec les restants des dossiers. Et surtout aussi, il y a le problème de la langue. Parfois, tu auras des difficultés à pouvoir expliquer au comptable qui serait en train de t'aider à préparer tes impôts, certaines charges qui peuvent être réintégrées dans les calculs de ton revenu. Vous voyez? Alors, il est beaucoup plus facile d'échanger avec quelqu'un que tu connais, quelqu'un de ta communauté, avec qui tu peux parler, même dans ta langue maternelle, afin de lui faire comprendre. Mais seulement, en début de chaque année, il y a par exemple les W-2, c'est un document qu'on remet à ceux qui sont payés par bulletin de paie. Ça veut dire que tu es engagé dans une entreprise et chaque mois ou chaque semaine, chaque 2 semaines, on te remet un bulletin de paie. À ces gens-là, chaque année, à la fin de l'année, comme c'était le cas ici, en janvier ici, en janvier, février, ton entreprise va te remettre un document qu'on appelle les W-2. D'ailleurs, moi, j'ai reçu le mien tout dernièrement ici. Donc, je vais vous montrer. Il s'agit, vous voyez, je vais cacher mes informations. Je ne sais pas si vous allez être en mesure de voir. Oups. Vous voyez, important, tax return, badadadada, vous voyez, non? Donc, tax return, je ne vais pas voir. Voilà, important, tax return, blablabla. Alors, c'est ces documents-ci, ça se trouve à l'intérieur. Tu peux justement l'ouvrir et c'est ces documents-là que tu vas remettre au comptable. Il y a des différents postes, bilanterre bien sûr, où on va voir, il y a un tableau avec combien tu as eu à gagner au cours de l'année, combien on a eu à percevoir comme impôt sur le revenu, combien tu as eu à faire comme contribution au service social, voilà, à la sécurité sociale, etc. Et il y a des trucs qui peuvent être réintégrés, comme je le disais, il y a d'autres trucs qui peuvent être déduits dans le calcul du montant à tes rétrocédés. Mais seulement tout ça, là, c'est clôture jusqu'au 15 avril. Alors, on peut accorder un moratoire qui peut aller jusque vers fin mai, juin, très généralement. Mais officiellement, vous avez à déclarer vos impôts jusqu'au plus tard, les 14, plutôt le 15 avril de l'année. Donc voilà, comme on a commencé là, donc ça va se clôturer officiellement le 15 avril. Mais il y a des ceux qui peuvent passer outre. Il y a des exceptions comme ça. Donc voilà, un peu, en gros, la réponse à notre frère, je sais plus, c'était quoi son nom? Attendez, je dois retourner, retrouver la liste de mes questions. Un instant, chers amis. Allô, maman Suzy. Oui, papa, je vous rappelle, ok? Oh, ouais. Je suis en direct maintenant. Bientôt. Merci beaucoup. Alors, je m'excuse, les gars. Attendez, j'étais en train là de répondre à la question de notre frère Nard, je crois, c'est ça? Ouais.
Alors, je suis chez Hervé qui dit: Salut, Mr. Fat, s'il vous plaît, ma pétition pour le regroupement familial a été approuvée après 2 ans d'attente. Ma femme est devenue citizen depuis 2023. On n'avait pas eu d'update dans les dossiers avant approbation. Que faire pour que le traitement de NVC soit appliqué avec le statut de citizen? Vous avez juste à contacter. Vous avez juste à contacter NVC. Si ça se passe que si c'est fait que le dossier se trouve au niveau de NVC, vous avez à contacter NVC. Ben, là, quand c'est beaucoup plus facile, dans ce sens que vous avez votre numéro, hein, le numéro de dossier, le case number, le receipt number, et vous pouvez justement vous connecter en ligne et rajouter ces documents-là. Donc, pour ceux qui ont des dossiers en cours, ils savent de quoi il s'agit. Donc, si vous l'avez fait en ligne, vous n'avez qu'à vous connecter et vous allez rajouter un document supplémentaire et rattacher à ces documents-là le type de document dont il est question. Donc, quand vous soumettez les documents, supposons qu'il s'agit d'un acte de naissance, quand vous avez chargé un document, il y a la possibilité à droite de choisir quel type de document il s'agit. Et puis, vous pouvez faire une lettre officielle que vous allez adresser justement à NVC, accompagnée de, comment on appelle, le certificat des nationalités, des naturalisations de madame. Hein. Donc, voilà ce qu'il y a à faire. Si vous avez travaillé avec un avocat, donc vous pouvez justement confier cette tâche à l'avocat qui y est en charge de votre dossier. Donc voilà. Au suivant, c'est, je crois, Fabrice Lissassi. Ça, c'est un frère. OK, d'accord. Onuche, je crois, Onuche, c'est ça? Qui dit: Salut, Monsieur Fad, je suis résident permanent depuis le 22, depuis septembre 2022. Est-ce qu'il est possible de faire venir mon frère? Si oui, dans quelles conditions? Merci et bonne heureuse année 2024. Pour faire venir ton frère, oui, tu peux le faire venir comme étant visiteur, tout simplement. Mais pas comme étant résident permanent pour devenir ensuite à son tour citoyen américain. Pas tout de suite. Pour le faire, il faut que tu puisses changer les statuts. Tu passes au statut de résident de citoyen américain pour déclarer ton frère. Mais si tu veux qu'il vienne en visite aux États-Unis, oui, tu peux le faire. OK? Ça, c'était la réponse à notre frère qui a un nom nigérien. Voilà. Et puis, je vais prendre la question de Selas Amouzou qui dit: Salut, Mr. Fad. Ma question est la suivante. Comment confirmer sa date d'interview pour la développerie, voire que son pays ne figure pas sur la liste des pays d'Afrique sur les sites web usvisainfo.com, par exemple, le Togo? Ça, c'est déjà pas un site web officiel. Donc, pour arriver à confirmer ton interview, c'est déjà pas tous les pays qui exigent confirmation d'interview. Donc, il faut que tu te rassures d'abord que dans ton pays, cela s'applique. Vous voyez? Il y a de ces pays où oui, tu vas devoir confirmer ton interview, mais il y a de ces pays où tu ne le fais pas. Donc, avant, pour le savoir, tu n'as qu'à te rendre sur les sites web officiels de l'ambassade des États-Unis de chez vous. C'est là que tu pourras avoir toutes ces informations-là. OK? Voilà, je crois que j'ai pris cette question comme je l'avait indiqué. Attendez, je vais voir. Je sais pas si je dois apprendre ça aussi après que l'officier ait terminé l'examen. Bah écoutez, bonsoir, Monsieur Fad. À propos du regroupement familial, si le dossier est approuvé à NVC et que tu as attendu un an de passer sans programme pour l'interview, on est encore obligé de recommencer les dossiers. Catégorie F2A, non. Si ça se trouve déjà au niveau de NVC, ben ça veut dire qu'ils sont en train de travailler dessus. À moins que le dossier ait été abandonné à ton niveau, en fait. Voilà. Mais si le dossier a déjà été soumis au service compétent, tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre le feedback. Leur retour va conditionner ton action. Voilà. Tu n'as pas à recommencer tout à zéro parce que ça n'a pas justement été rejeté. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus. Ils vont te donner une suite au fil des temps, j'ose croire. OK? Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter par là avec les questions qu'on a eu à prendre. Peut-être que lorsque nous allons revenir pour le prochain live, on pourra poursuivre avec le restant des questions qui étaient reçues. Attendez, je vais voir qui est là aujourd'hui. Je peux agrandir ça. Je ne sais pas si je peux agrandir. Je crois que oui. Alright, ça c'est bon.
Ok, on va prendre quelques questions ici et on pourra comme ça se séparer. Ok. All right. Oh, Amouzou est là? J'ai répondu à ta préoccupation de depuis plus d'un mois. C'est tellement pour moi, c'est ça. Ok. Aaron Abbas, je crois. Aaron Abbas Service, bonsoir mon frère, salut. Tiani, Thomas, bonjour à tous, salut. Ariel Gatsono, oh, Ariel. Comment plus d'interviews? Bonsoir, Mr. Fad. C'est pas pour tout le monde, c'est pour une partie des demandeurs et c'est pas encore applicable dans tous les pays. Donc, ça veut dire que ça va venir incessamment. OK? Ariel, on vous écoute très bien. C'est là, Samouzou. Salut, Mr. Fat. Salut, les sons. Et bon, d'accord, Delby. C'est là, Samouzou, c'est bien. C'est bon, le son. Merci beaucoup. Je suis Gérardo, officiel. On vous écoute très bien. Merci beaucoup, frérot. Je suis les étudiants internationaux aussi n'ont plus besoin d'interview pour entrer aux États-Unis. Ils sont également à compter parmi les bénéficiaires parce qu'il s'agit là des visas non immigrants, ok? Donc les visas études, ça fait aussi partie des visas non immigrants, voilà. Mais c'est pas tout le monde qui en serait bénéficiaire, ok? C'est juste une frange de personnes qui ont déjà été aux États-Unis auparavant, voilà. Mais après, malgré le fait que tu aies été aux États-Unis auparavant, ça va aussi dépendre de l'appréciation de l'officier consulaire. J'ose croire parce que, en fait, théoriquement, j'estime, hein, que quand on va commencer, quand tout ça va être mis en application partout, je crois qu'ils vont rajouter une section dans le formulaire de demande de visa, le S160. Okay, on va peut-être demander, parce qu'il déjà on demande si tu as déjà été aux États-Unis auparavant, quelle période à quelle période, on va peut-être rajouter quelques petites informations dedans, j'ose croire, et sur base de ça, peut-être qu'on saura automatiquement définir si tu auras besoin de ton interview, oui ou non. Donc, j'ose croire, c'est comme ça que ça va se passer dorénavant. Mais ce n'est pas encore d'application partout. Il y a des ces pays où ça s'applique déjà, mais il y a d'autres pays où ce n'est pas encore d'application. Mais ils ont promis de le faire. Ils ont plutôt exprimé le besoin de le faire au cours de cette année 2024 afin de standardiser les délais d'attente partout au monde. Et donc, ce soir, quand tu pars au Cameroun, ils attendent 2 semaines, alors que quand tu pars au Congo ou en Côte d'Ivoire, ils attendent une année ou 6 mois, etc. Donc, ils veulent à ce que tout puisse être standardisé et comme ça réduire le nombre de demandeurs d'interview. Voilà. Alors, Navarro, qu'est-ce que Navarro dit? Navarro qui dit, je veux savoir, dans mon cas, je voulais faire mon projet d'immigration avec ma copine, mais nous ne sommes pas encore mariés. Comment nous pouvons avoir quoi? Et quel type de visa pour elle et moi? Alors, déjà, pour commencer, d'emblée comme ça, les États-Unis n'accordent pas les visas immigrants aux personnes qui n'ont pas de sponsor aux États-Unis. Oui, excepté la développerie. Parce que là, même avec la développerie, c'est les États-Unis, voilà, qui se portent garant afin de vous accorder les visas et la green card de ce fait, en vous tirant au sort. Okay? Mais pour le reste des cas de visas immigrants, il faut avoir un parrain, un sponsor, qui soit américain ou résident permanent aux États-Unis. Alors, tu peux faire une demande de visa pour visiteur afin d'arriver aux États-Unis et après, une fois aux États-Unis, faire ce que tu peux faire, voir quelle option s'offre à toi, etc. Mais non, pas quitter de chez toi pour venir aux États-Unis directement avec visa immigrant qui veut dire, entre guillemets, green card par la suite. Tu vois, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu auras peut-être besoin d'un visa non immigrant, essentiellement un visa visiteur, ou peut-être si tu as la chance de trouver un emploi aux États-Unis et que ton employeur accepte de te parrainer pour venir comme ça, comme étant résident permanent automatiquement. OK? Bonne nouvelle, ça c'est Dark Okamba. Matteo, oh my goodness, Moncla, c'est ça? Merci. Je crois que ça c'est un nom togolais.
Claudine Kuyingana, laissez-moi agrandir encore mon écran, sinon je vais souffrir. Voilà. Claudine Kuyingana, qu'est-ce que Claudine dit? Oh, 4h34 déjà. OK. Alors, qu'est-ce que Claudine dit? Claudine dit, salut messieurs, est-ce que si vous êtes résident aux États-Unis, vous pouvez déclarer de membres de votre famille qui sont réfugiés en dehors des États-Unis. Oui, s'ils sont réfugiés en dehors des États-Unis, du moment où ils ont le papier de voyage qu'on appelle ici le travel document, oui. S'ils n'ont pas de passeport, s'ils n'ont pas de papier de voyage, comment est-ce qu'ils peuvent se déplacer d'un pays à un autre? Alors, quand vous êtes réfugié, généralement, il y a ceux qui n'ont plus de passeport de leur pays d'origine. Et les pays offrent cette possibilité-là à ces personnes-là de pouvoir faire une demande des documents de voyage, okay, les papiers de voyage. C'est un peu comme le passeport, mais pour les réfugiés ou les demandeurs d'asile de ces pays-là. Et c'est ces papiers-là qui pourra te permettre, comme ça, de te mouvoir d'un pays à un autre pendant que ton dossier serait en cours de traitement au niveau du pays donné. Okay? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Oui, tu peux le faire, mais à condition que ce dernier puisse avoir soit le passeport ou leur document de voyage. Déjà, j'estime qu'ils n'ont plus de passeport. Alors, dans ce cas-là, ils auront besoin impérativement de leur document de voyage pour bénéficier de cette opportunité-là. Voilà. Au suivant, Monsieur Chris, qu'est-ce qu'il dit, Navarro? L'idéal pour vous serait de vous marier à votre femme et tenter pour la développer. Vous aurez plus de chances d'être sélectionné et par la suite suivre votre procédure pour enfin. Voilà. Merci beaucoup pour toi, pour cette réponse, frérot. Matteo qui dit, comment se passe l'interview? À propos de quoi l'interview? Elle est vague, elle est toute grande il y a beaucoup de facettes. Donc, pour être beaucoup plus précis, j'aimerais que tu sois spécifique dans ta question pour me permettre à moi aussi d'être spécifique dans ma réponse pour éviter que je puisse te donner une réponse bien vague, vu que il s'agit là d'un thème très vaste. Raissa Sokeng, très bonne nouvelle, vraiment. Ruben Kabongo, oh, salut Ruben. Salutations, grand frère, ravi de vous revoir, très ravi moi également, depuis Colwesi. Merci beaucoup, frérot. Finance Pro Services, bonsoir, Mr. Fad. J'aimerais savoir si vous faites un suivi de quelqu'un qui souhaite faire le visa non-immigrant. Oui, nous le faisons. Et Monsieur Chris, qui nous lit, qui nous suit juste là, pourra t'écrire et te donner les détails de ce que tu peux, de quels moyens tu peux nous contacter. Et puis voilà, Chris, si tu peux envoyer un message, je sais pas moi, répondre à Monsieur à Finance Pro. Et puis voilà, si oui, combien, comment faire? On peut vous contacter en privé pour plus d'informations. Bien entendu, Chris est là, il pourra vous en donner les plus amples détails. Romaric Achou qui dit bonjour, Mr. Fad. Merci à vous pour le sujet, objet de ce live. J'ai été à l'interview en décembre 2023 et ça n'a pas marché. Ces nouveaux paramètres que vous parlez aujourd'hui peuvent m'aider. Ça peut vous aider dans ce sens que vous allez peut-être avoir la chance de trouver une date d'interview au plus tôt. Parce que j'estime que pour passer à l'interview qui n'a pas dont la suite n'a pas été satisfaisante, que vous avez au fait au cours que vous avez eu au mois de décembre dernier, peut-être que vous avez mis beaucoup plus de temps entre le moment où vous avez soumis votre demande et le moment où vous allez vous présenter à l'interview. Je ne sais pas combien de mois vous avez eu à attendre. Et le seul avantage que vous aurez ici, peut-être, au cas où tout cela sera mis en application, c'est que vous allez justement avoir la chance de trouver une date d'interview dans les prochains 3 mois. Alors, à côté de ça, s'il faut maintenant parler de la chance d'avoir le visa, là, ça va dépendre justement de ce qu'a été la raison du refus et si vous avez travaillé dessus. Vous voyez? On peut vous refuser les visas, par exemple, parce qu'on estime que vous n'avez pas de points d'attache solides. Mais dans l'entretemps, si vous vous êtes, par exemple, marié, vous avez un boulot stable et que vous pouvez prouver, et vous partez seul, vous laissez derrière vous votre femme et vos enfants, et vous avez quelques titres de propriété, etc., que vous allez inclure dans votre dossier, et vous revenez pour l'autre interview, vous allez avoir beaucoup plus de chances comme ça d'être
approuvés pour les visas. Vous voyez, si vous travaillez sur ce qu'était autrefois la raison du refus, effectivement, vous allez avoir plus de chances d'être approuvé dorénavant. OK? Ça, c'était la réponse à Romarico. Je suis chez Delby Panzo qui dit bonsoir, messieurs, c'est Grace Panzo depuis le Congo-Brazzaville. J'aimerais savoir, j'ai joué à la loterie 2024 avec ma petite amie et après, on a remarqué qu'il y a eu une erreur sur son nom. Que dois-je faire? Attendez d'abord être sélectionné et ensuite, on pourra voir. OK? C'est ce qu'il faut faire parce que tu n'es pas encore sélectionné. N'est-ce pas? C'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut attendre d'abord d'être sélectionné pour l'instant. Règne Génial qui dit, salut, j'ai un visa touristique, pourrais-je travailler aux États-Unis? J'ai parlé de ce sujet l'autre fois, et même j'ai parlé de ça sur TikTok. Voilà, j'ai parlé de ça sur TikTok. Je devais aussi parler de ça aujourd'hui. En fait, normalement, dans ces processus de standardisation, ils aimeraient aussi faire en sorte qu'on puisse accorder directement les visas de 24 à 48 mois. Plus des visas de 3 mois qui seront renouvelés, vous allez avoir l'extension de 3 mois supplémentaires une fois aux États-Unis. Maintenant, ils pensent disponibiliser carrément des visas à partir de 24 mois jusqu'à 48 mois. Ça veut dire 2 ans à 4 ans, multiples entrées. Tout ça, c'est justement pour réduire le volume des demandeurs de visas. Donc, qui parle demandeur de visa voit également l'effet, l'impact de ces demandes sur les calendriers de l'ambassade. Voyez? Donc, on veut commencer à accorder des visas de 24 mois, 48 mois directement, ce qui va permettre justement aux gens de pouvoir entrer et retourner chez eux autant qu'ils peuvent dans ce laps de temps. OK? Alors, vu qu'ils veulent augmenter le terme de validité du visa, j'ose croire que quelque part, ils veulent s'ouvrir ou ouvrir certaines petites opportunités aux détenteurs des visas non immigrants qui vont rester aux États-Unis, par exemple, pour 4 ans. Je ne sais pas comment ça va s'organiser. Est-ce qu'il va s'agir de 4 ans continus ou bien ça sera 4 ans, vous avez à rester entre aux États-Unis pendant tous ces 4 ans, mais chaque 3 mois ou chaque 6 mois, vous êtes tenu de rentrer chez vous ou de sortir du territoire américain afin d'y revenir. Et au cas où ce serait le cas, je crois, qui vont aussi essayer de voir s'ils peuvent accorder, ça veut dire ouvrir certaines petites opportunités d'emploi aux non-résidents et ceux qui ne sont pas non plus non-résidents et non-citoyens américains. Donc voilà, mais ce qui est vrai pour travailler aux États-Unis, il faut avoir un numéro de sécurité sociale ou son équivalent. Son équivalent, c'est soit les TIN ou les EIN, selon votre statut, bien sûr, aux États-Unis. Alors peut-être que on va accorder une sorte de TIN ou EIN aux visiteurs. Ça, je ne sais pas les confirmer, mais je me dis justement, vu le fait qu'ils veulent augmenter le terme de validité de votre séjour aux États-Unis, c'est que peut-être quelque part, on va devoir aussi accorder la chance aux bénéficiaires de ces visas-là de peut-être se trouver un petit emploi qui va leur permettre de subsister pendant leur délai de séjour aux États-Unis. Peut-être. Donc là, je n'en sais pas encore grand-chose, mais ce qui est vrai, ils ont parlé dans ces mêmes communiqués-là qu'ils devaient au fait aussi augmenter les délais de validité de votre visa, OK? Pour les standardiser de 24 à 48 mois. Et c'est une très bonne chose, n'est-ce pas? Voilà. Diallo. Bonsoir, est-ce que c'est vrai pour l'interview? Bien entendu que oui, c'est vrai, papa, c'est vrai, mais c'est pas tout le monde qui peut en être bénéficiaire. Donc, il y a certaines conditions. Entre autres, avoir été aux États-Unis déjà au préalable et que vous êtes sorti dans les délais convenus. Puisque tu demandes si c'est vrai, je peux te donner. Attends, je peux partager le lien, je sais pas. Travel. .state.gov. Puisque tu poses cette question-là, attends, je vais partager l'article. News. Get US passport. On international information.
Une seconde. Allez, likez les amis, s'il vous plaît, likez. Ok. Voici. Voilà. C'est ça l'article dont il était question. Ça a même été publié depuis très longtemps, depuis le 2 janvier. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous venir ici. Attendez, je vais partager l'écran. Comment j'ai fait pour le faire? Je dois rajouter une scène. Scène partage d'écran. Je dois rajouter une scène ici. Là, comment je vais intituler la scène? Windows Capture. Non. Display Capture. Non, ça sera Windows. Ça sera Windows Capture. Ok. Okay. Alright, je crois que vous voyez mon écran ici, non? Ok. Vous voyez? Ok, attendez, maintenant je vais agrandir ça. Salut Fad, je pense que le regroupement familial. Attendez, je vais agrandir pour que notre ami puisse être en mesure de voir de quoi il s'agit. Je dois retourner sur. Uh-oh. C'était où même? J'ai tellement de fenêtres ici. Je ne sais même plus laquelle j'ai utilisée. Je crois que c'est celle-là. All right, here you go. All right. Attendez, je dois aussi utiliser mon téléphone pour voir si j'arrive à partager ce qu'il faut. Alright, so mon ami demandait si ce que je dis est vrai. Attends, je vais partager. Vous allez lire ça. Je ne sais pas si tu seras en mesure de lire. Tu vois, déjà, j'ai parlé des 10 millions, 10,4 millions de visas accordés l'année passée, ce qui est un record au cours des 15 dernières années. On a accordé jusqu'à ce montant-là, à ce nombre-là de visas. Rien que pour l'année 2023. OK? In the past, vous avez, in the past 12 months. OK? Ici, on a, toutes ces personnes ont obtenu leur visa sans interview. Vous voyez ça? L'année passée, ils ont observé ça l'année passée. Ils ont accordé 40% de ces personnes, de ces 10 millions, 400 000 visas, sont partis aux États-Unis sans avoir à passer leur interview. Si tu fais le calcul des 10 millions 400 000 divisé par 40, ça te donne pratiquement près de 4 millions de visas accordés sans avoir été physiquement à l'interview. Donc juste ces paragraphes ici, ça te donne tous les détails nécessaires. Et peut-être que tu peux te dire que je suis, je ne sais pas moi où. Ça, c'est les sites web officiels des services d'immigration des États-Unis. Vous voyez? Ça, c'est les logos. Qui est là. Le logo, il est là. Voyez ça? Vous voyez ce logo là? Ça, c'est pas mon site web. OK? Et je suis là. US Visa News, Travel Document, Worldwide Visa Operation Update. Ça a été publié depuis le 2 janvier. OK? Mais je n'avais pas le temps de passer ici pour en parler. Si tu descends, comme je l'avais dit tantôt, ils ont accordé un très grand nombre de visas depuis 2015. Ils n'avaient jamais atteint ces chiffres. OK? Our goal is for more than 80%. Donc, leur objectif, c'est plus de 90% de visas au cours de l'année 2024 puissent être accordés sans interview. OK? Oui? Bon, ça, c'est d'abord pour 90 jours. Hein? OK. Dans le délai d'interview, ça doit être de 90 jours, en fait, pour trouver une date. J'ai parlé de ça dans le cadre de leur. Délai de traitement. OK? Alors, si je descends ici, ce dont toi tu avais besoin, c'était justement ça là. C'est ça là qui répond à ta question. OK? Parce qu'ils ont travaillé
Ils ont accordé autant de visas, donc 40% de ces chiffres-là, 40% des 10 400 000 visas ont été accordés sans que le bénéficiaire ne soit parti pour leur interview. OK? Did not require an in-person visa interview. Vous voyez ça? Et les 40% là seront ouverts, OK, pour les gens qui font leur demande de visa pour la toute première fois afin d'aller aux États-Unis. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, mon cher ami, OK, c'est quelque chose de vrai et de vérifiable, comme je viens de te montrer là. Donc je quitte ça, je te reviens ici. Salut, Mr. Fad, je pense que le regroupement familial pour les États-Unis ne va plus. Ne vaut plus la peine car le processus est devenu extrêmement lent. Et justement, ce que je venais de parler, ce dont j'ai parlé aujourd'hui, en serait tout de même une réponse dans une certaine mesure. Ça va aider justement à réduire le processus de traitement. Ce qui est vrai, c'est vrai que quand tu fais la demande pour venir aux États-Unis en visite, ça se traite qu'au niveau de l'ambassade. Ça, c'est vrai. Mais pour le regroupement familial, c'est un long processus. OK? Qui comprend les différentes parties entre autres l'USCIS, le NVC, puis l'ambassade de chez vous. Alors, beaucoup de gens ont déjà été approuvés par l'USCIS et le NVC. Le seul souci, c'est de trouver une date pour leur interview au pays. C'était là le problème. Or, avec ce grand nombre de demandeurs qu'il y a pour aller visiter les États-Unis, par exemple, si on arrivait à réduire, OK, autant qu'ils peuvent, cela aura aussi un impact positif. On va trouver aussi facilement des dates des disponibles pour les demandeurs visa par regroupement familial, par exemple. Donc, ça aurait un impact positif que l'on le veuille ou pas. Voyez? Donc, c'est un peu ça. Je crois, on a fini pour aujourd'hui, je pense. On a fini. Il n'y a plus de questions ici, je crois. Black Mamba, bonjour, Mr. Fad. Une question. Peux-tu m'expliquer les visas F2B? Combien de temps durent-ils? attendez. Oh my gosh. Je ne peux pas te parler de temps d'attente, déjà pour commencer. Ce serait très difficile pour moi que de le faire. Oh my God. Parce que les délais de traitement, tout le monde se plaint de ça aujourd'hui. Hein? Tout le monde s'en plaint en tout cas. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Donnez-moi vos likes, chers amis. Donnez-moi vos likes et partagez, s'il vous plaît. Voilà. Je ne saurais pas te parler de. Oui, de la question même. Je ne saurais pas te dire combien de temps ton dossier pourra traîner pour être approuvé. Mais de quoi il s'agit comme visa, je crois. Le FDB, c'est pour le bénéficiaire, plutôt le membre de la famille directe d'un bénéficiaire de la Green Card par la développeurie. Supposons que tu n'es pas bénéficiaire, donc tu es soit enfant de moins de 21 ans ou partenaire de mariage de quelqu'un qui a obtenu le visa et la Green Card par le biais de la développeurie. Donc toute personne qui a gagné la développeurie, on va accorder ces visas-là si vous voulez déclarer le membre de votre famille directe, quelqu'un qui est venu parce qu'il n'avait pas de moyens de faire venir sa femme et ses enfants, etc. Ça, c'est la catégorie de ces visas-là qu'on accorde à ces gens-là, les membres de la famille d'un bénéficiaire d'un Green Card par la développeurie, par exemple. Vous voyez? Eux-mêmes, ils ont le visa, c'est quoi là encore? C'est le DV quelque chose, hein? Visa DV quelque chose. Voilà. Bosso qui dit bonsoir, s'il vous plaît, les coparents doivent remplir quel document? Merci. Le coparent doit remplir quel document? Il doit remplir l'affidavit. Voilà, l'affidavit of support. Il doit remplir l'affidavit. Et puis, en dehors de l'affidavit, quoi d'autre? C'est tout ce dont il va remplir. Il va remplir juste l'affidavit. Et en dehors de ça, il va devoir soumettre les informations de taxes des 2 dernières années. Puisqu'il s'agit ici, supposons que vous allez soumettre vos documents, vos informations en 2024. Et là, si vous n'avez pas encore déclaré vos impôts de l'année 2023,
Vous allez avoir besoin de W2 et les tax transcripts. Généralement, on n'a plus que besoin de tax transcripts depuis un moment. Okay? Les W2, c'est facultatif, mais on a besoin des tax transcripts. Et là, il s'agira des 2 dernières années, 2022 et 2021. Et au besoin, tu peux aussi rajouter le 2020, juste au cas où. Et puis voilà, Monique Conan, bonjour, Mr. Fad. Dites-moi aujourd'hui combien de temps l'immigration prend pour un visa à regroupement familial. Très difficile à dire. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Le statut de la personne qui te déclare, quel âge tu as, quel lien de parenté tu entretiens avec la personne, quel bureau de traitement à la charge de votre dossier. Et puis voilà, donc il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de considération. Si tu veux avoir beaucoup plus d'informations à ce sujet, il y a beaucoup de vidéos que nous avons eu à publier à ce sujet, ici sur YouTube ou même sur TikTok. Tu peux justement nous y suivre. Tu auras sûrement réponse à ta préoccupation. Voilà. Raviane Abbey, ou bien Abby, je ne sais pas, salut. Si ton dossier est validé par le service d'immigration et qu'il signale ça à la personne qui a soumis les dossiers, et ça dure combien de temps? Merci. Ça veut dire quoi? Service d'immigration, il y a les services d'immigration qu'on appelle les USCIS, USCIS, voilà, et le NVC. Alors quand tu parles de services d'immigration, tu vois le USCIS ou tu vois le NVC tout court? Parce que si le dossier est approuvé au niveau de l'USCIS, on te notifie, ça va prendre du temps pour que NVC te contacte. Et là, ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, peut-être un mois. Autrefois, c'était juste le jour d'après. Mais maintenant, il y a une lenteur généralisée, même pour te donner les informations, pour te permettre de démarrer la suite de la procédure au niveau des NVC, ça prend maintenant du temps. Tu peux attendre peut-être 2 semaines, 3 semaines, ou peut-être 4 semaines, donc un mois, pour avoir le retour de NVC, où on va te donner les nouvelles coordonnées qui vont comprendre ton receipt number et bien entendu ta date de priorité que tu vas utiliser pour te connecter en ligne afin de te permettre de remplir le formulaire DS-260 et soumettre comme ça les différents documents exigés. OK? Donc, ça peut prendre comme ça, pour quitter l'USCIS à NVC, maximum un mois. Mais très généralement, au bout de 2 semaines déjà, tu as le retour et que tu peux maintenant poster les différentes informations exigées. Alors, une fois que tu as reçu cette notice-là de NVC, alors là, maintenant, ça va dépendre de l'ambassade. OK? Et ce que nous avons échangé, ce que nous avons partagé aujourd'hui, je crois que ça va aussi aider à assouplir un peu les délais d'attente de demandeurs de regroupement familial, par exemple. Vous voyez ça? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, madame ou monsieur. C'est Monique, c'est madame. OK. Ça dure combien de temps? J'ai parlé de ça. Monique Conan qui dit, c'est mon époux, il est américain et mon dossier est traité au bureau du Texas. Et c'était quoi la question déjà aujourd'hui? J'ai parlé d'une vidéo. Vous pouvez faire cette recherche-là. J'ai publié une vidéo, je crois, une année. Attendez, je peux aller chercher ça vite fait pour vous donner le lien. Comme ça, vous allez vous-même voir la vidéo et pratiquer comment vous pouvez consulter ces informations-là. Donc, cette vidéo-là va vous donner toutes les informations nécessaires sur comment procéder pour aller voir combien de temps ton dossier est censé tenir au niveau des services d'immigration, etc. Attendez, il faut que je coupe un peu le temps ici. Alright, j'ai coupé les sons, comme ça je peux aller vite fait retrouver cette vidéo-là. Mr. Fab TV. Oh, comment je fais? Attendez, je vais partager le lien. Ça va vous aider, sûrement. C'était un direct. Voilà, il y a c'est là une année ou quelque chose du genre. Ok. Une année de cela. Ou 2 ans même, je ne sais pas. C'était en 2021, 2022, je ne sais plus. Non, ça date d'en 2022. Ou 2023. Et en passant, ceux qui vont être sélectionnés par la Développerie 2025 et qui n'auront pas de point de chute aux États-Unis, donc il y a un ami qui offre ces services-là. On va vous donner justement les conditions. Et si ça vous va,
vous pouvez, on va vous mettre en contact et ils pourront comme ça prendre en charge votre déplacement aux États-Unis et votre intégration même aux États-Unis. Donc, ça veut dire vous trouver où résider, vous trouver un emploi, vous aider aussi à apprendre à conduire si vous ne conduisez pas encore pour passer votre test et avoir votre permis. Et tout cela va être comptabilisé dans la facture, OK? Si vous n'avez pas de famille aux États-Unis et vous n'avez pas de personne pour le faire pour vous, passez par nous. On va se faire un grand plaisir de vous mettre en contact. Et il encourage maximum 2 personnes par dossier. Maximum 2 personnes par dossier. Donc, si vous êtes marié et sans enfant, ça marche pour vous. Sinon, les célibataires, ça va beaucoup mieux. Parce que s'il faut dépenser tout l'argent que sur une famille, ça, c'est pas aussi équitable dans une certaine mesure, n'est-ce pas? Il faut diversifier. On donne à cette famille-là des 2 personnes maximum et on va donner à l'autre célibataire là-bas, on va encore donner à l'autre là-bas. En chaque foyer, au moins, on aurait comme ça servi 3 foyers au niveau du pays, n'est-ce pas? Donc, après que les résultats seront rendus publics, n'hésitez pas de nous contacter. On pourra comme ça faire ce deal-là. Attendez, je ne sais plus retrouver cette vidéo-là. C'est encore quoi? Je crois que c'est ça. Regroupement familial aux États-Unis. Combien de temps d'attente? Je crois que c'est cette vidéo aussi. Je pense bien. Voilà, c'est ça. Attendez, je vais partager le lien. Comme ça, vous pouvez aller voir la vidéo. Je dois cliquer dessus. Je dois cliquer le lien. Je dois partir parce qu'il y a un client avec qui on doit clôturer le dossier d'ajustement des statuts. Donc, on va se retrouver très prochainement. Attendez, je vais juste partager le lien. Madame Monique, voici le lien pour vous. Voilà, cette vidéo, c'était un direct. Au cours d'un direct, on a eu à faire tout ça. Voilà, il est là le lien. Donc, si vous partez là-bas, ça va vous donner tous les détails sur comment procéder pour, comment on dit, pour voir combien des temps d'attente, il vous faudra par rapport à votre dossier et par rapport à votre bureau des traitements. Attendez, je vais partager aussi plutôt la vidéo là pour vous montrer. Vous voyez cette vidéo aussi? C'est de ça qu'il s'agit au fait. Vous voyez le titre, il est la regroupement familial aux États-Unis, combien de temps d'attente? Voilà, c'est cette vidéo là. Si vous allez là-bas, vous allez trouver la réponse à votre préoccupation. L'avantage avec nous ici, c'est que il y a tout. Donc, tout ce dont vous allez avoir besoin, rassurez-vous qu'on a déjà eu à traiter des ça quelques temps de cela auparavant. Il y a tout quoi. Vous voyez? Ouais, déjà ici, il y avait ces messieurs-là qui nous disaient merci, c'était intéressant, il avait trouvé ça intéressant. C'est qui? C'est Géraldine, je crois. Voilà. C'est vraiment intéressant ce que vous faites. Merci, Monsieur Fad, pour ces explications. Merci, mon frère, pour tout. Dieu vous bénisse. Salut, Grando. Pouvez-vous nous faire? Dadadada, merci de me répondre, si possible, une vidéo aussi pour les délais de traitement NVC. Salut, j'ai une question, blablabla. Alors, voilà, il s'agit de cette vidéo aussi. Voilà, le titre, il est là. Ça a été publié il y a de cela 1 année. Ça compte à peine 10 000 views. Donc, voilà. Allez-y, lisez la vidéo, partagez le lien avec vos frères. Et puis, voilà. Sinon, grand merci à vous tous, chers amis, qui avez été là ce soir. C'était un grand plaisir pour moi de partager cet instant d'échange avec vous. C'était un très grand plaisir pour moi. On va se retrouver très prochainement. Comme d'habitude, après le direct, après le live, venez, laissez vos préoccupations. On va prendre le temps d'y répondre, même après notre série d'échanges en direct. Donc voilà, abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné, likez si vous n'avez pas encore liké, partagez le lien, invitez d'autres personnes à venir ici avec leurs préoccupations. J'ai toujours encouragé les gens à le faire parce que on peut aussi apprendre des questions des autres. Voyez, on peut peut-être pas avoir une idée sur quelque chose, mais dès qu'on en parle, et tu te rends compte que tu en avais vraiment besoin dans une certaine mesure. Donc, le plus nous allons avoir une grande audience, le plus nous allons avoir aussi des grandes questions pertinentes qui pourraient aussi vous bénéficier dans une certaine mesure. C'est pourquoi il faut toujours inviter les autres à venir. En dehors de ça aussi, nous tenons un groupe WhatsApp où nous échangeons autour des sujets d'immigration en général. Et il y a beaucoup d'experts dans le groupe. Si vous avez des soucis, vous avez des difficultés à comprendre certaines terminologies ou certaines réalités d'immigration aux États-Unis, comment ça marche, etc., il y aura toujours quelqu'un dans le groupe qui va vous donner réponse à votre préoccupation. Ça ne viendra pas forcément de moi. Okay? D'ailleurs, moi, je ne réagis pas trop.
Il y a beaucoup d'autres personnes qui le font déjà et j'ai lu seulement en sourdine. Je vois les réactions des autres. Et quand ça prend beaucoup plus de temps à réagir, peut-être c'est là que moi, je peux peut-être vous apporter quelques éléments de réponse. Mais en très grande partie, la communauté soutient le restant des membres de la communauté. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, il y a Monsieur Chris qui est là, le modérateur de ce soir. Il va partager le lien aussi, peut-être après le direct. Comme ça, vous allez juste suivre le lien afin de rejoindre le groupe. OK? On va se retrouver très prochainement, chers amis. Alors, d'ici là, portez-vous très bien. Bye bye.